Yo, c'est Kyo, mais tu peux m'appeler Dylan Sum, ukulele ninja. Je sors d'un virus très très à la mode en hiver qui m'a complètement vidé. Et ainsi, j'ai une tension super basse qui va faire que tu vas comprendre beaucoup plus facilement que d'habitude ce que je t'explique ce soir. Je reviens aux bases, j'ai remis les micros, j'en ai marre d'enregistrer en ligne. Et je sais pas toi, mais des fois, une fois l'an, j'ai plus d'idées. Et la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est que je repasse en Logi, je reviens beaucoup plus simple et je m'amuse à voir ce qu'il sort des pérégrinations digitales que je peux avoir sur l'instrument. Ce soir, je te propose un exercice fantastique que je vais t'expliquer pas à pas comme d'habitude, qui va construire une ambiance du tonnerre, une ambiance magnifique. Je pense que tous les ukulélés devraient être en Logi de toute façon. On va arriver à la saison 2, que j'annonce depuis 4 ans, où je vais faire que du Logi. On s'accorde et après je t'explique le plan et tu vas passer une soirée. Non, c'est normal. Exercice du soir est basé sur ce que j'appelle la moelle substantielle, parce que pour bien savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on part. Je vais t'indiquer exactement, exercice par exercice, pas par pas, ce qu'on va faire, et après, crois-moi, on va s'envoler. Les positions de base que je veux que tu travailles au début, c'est 5, 0, 3, 4, 0, 3, 2, 0, 3, 2, 0, 1. En gros, on va faire une descente qui va aller de Do, Si, La. Et on va changer ce La en Fa. Sympa, non? Je recommence. 5, 0, 3. On joue que sur les trois premières. 4-0-3, 2-0-3, 2-0-1, encore. T'es pas obligé de refaire là. Ok, maintenant on va arpégier tout ça. Je fais toujours un aller-retour entre la première et la deuxième. Et de temps en temps, poum, tou, tou, poum, tou, tou, tou. La deuxième fois, je remplace la deuxième par la troisième. Tou, ta, tou, ta, tou, ta, tou, ta. 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2. Mais plus vite. Une fois par position différente avec la basse qui descend. Do, Si, La. Et le Fa. Encore. Je veux que tu insistes, tu as vu, sur à chaque fois Mi, Fa, Sol, sur le Sol. Je veux que ça devienne ta note référence. Tout le reste, c'est un accompagnement. Tiens, on va mettre la dernière à vide à la place de celle-là. Et c'est moche. On revient sur la première, désolé. J'avais une autre idée, mais... complexe de la simplicité et le mieux est l'ennemi du bien. Là, ça pourrait être une pub pour, je sais pas, un iPhone ou Areva, tu vois. Ça me plaît beaucoup ce qui se passe. Tout ça, c'est super sympa. Moi, ça me plaît bien et je trouve que c'est une base qui est solide et qui va nous permettre de broder des choses dessus. Donc, on va rajouter maintenant une quatrième composante, parce qu'on a quatre cordes et on aime bien toutes les utiliser, ce serait dommage de pas le faire. On va récupérer maintenant le Do ici et on va rajouter de l'eau à notre moulin qui est notre arpège.
arpège de base qu'on va faire, je suis en 5-0-3-3. On va toujours garder maintenant ces deux ici, quoi qu'il se passe. Sauf sur le dernier, on va rajouter la première ici. 1-3, on va faire 3-3-3-3-3-3-1-3. Tu me suis ? Je t'avais dit que j'allais prendre le temps aujourd'hui et que t'allais beaucoup plus comprendre. Regarde et imite. Ça, c'est une discussion que j'ai souvent avec des potes de mon âge qui font de la musique. Comment ça se passe ta chaîne YouTube ? Bah ça va, mais les gens ils veulent tout quoi. Et on me dit, bah tu te rappelles qu'on mettait pause à une époque sur une VHS pour comprendre où ils mettaient les doigts. Ouais. Puis je leur dis, bah maintenant ils ont pas l'habitude. Ils veulent tout facile. Alors qu'à l'époque, on aurait eu une caméra comme ça qui t'expliquait exactement où on mettait les doigts et sur quelle corde fallait jouer. Là, c'était la panacée. Donc, tu vas avoir le respect pour les jeunes que nous étions avant et tu vas faire le même travail qu'on a fait. Je pourrais très bien te le dire, mais je veux pas. C'est un peu un acte militant, tu vois. I stand my ground. Parce que des fois, il faut que tu travailles aussi. C'est le moindre respect que tu me dois. Je fais un stop motion, là, je fais un pit stop. Moi, ce que j'aime pas, en tant que joueur, que ce soit en tant que guitariste, en tant que ukuléliste, c'est avoir ce genre d'accord. C'est hyper moche. Regarde mon doigt. On dirait qu'il a été greffé, on dirait qu'il a été fabriqué par un logiciel qui fait des images par intelligence artificielle. Ça, oui. On voit que la main, elle est harmonieuse. Là ? Ah non, c'est super moche. On dirait, je sais pas, une chèvre qui utiliserait son sabot pour faire trois positions à la fois. Je t'ai imaginé, c'est exactement comme ça que je la vois. Là, ouais. Je recommence, excuse-moi. C'était moche. Putain, là aussi, c'est moche. Bon, quand c'est moche, on pousse le pouce derrière et ça va mieux. Je suis pas satisfait. Ah. Je l'assume parce que c'est super important le son qui sort, mais vu que je suis en vidéo, c'est quand même moche. Bref, t'as ce plan-là ? Super. Maintenant, voici l'évolution de tout ça. On va faire la même chose qu'on a fait, sauf que on va garder la base qu'on a construite. C'est notre base, c'est notre séquoia géant autour duquel on va construire des branches. Et on va se servir de la dernière corde pour faire cette phrase que j'aime pas du tout. Du chord mélodie, non, à faire des voicings. Moi, j'aime bien dire voicing. À la place de faire que les trois sur la dernière, on va faire. Avec le même arpège. Est-ce que tu trouves que c'est beau avec tout ton discours que tu as fait ? Oui. Oui. J'aurais pu le faire comme ça, mais je l'ai fait comme ça. Ça, ça aurait été moche. Ça, ça va. Parce que je vois pas comment. Là, j'aurais pu le jouer. Pas de manière très efficace, mais t'aurais rien vu. Oublie tout ce que j'ai dit. Tu m'as suivi jusque là et que tu arrives à jouer ça et que tu as un low G,
et que tu as compris l'exercice, là, tu vas te kiffer parce que c'est le moment de l'interprétation. Tu vas jouer. Juste avec cet exercice-là, tout est possible maintenant. Je sais pas toi, mais repasser le logic quand même. C'est excellent. Ça donne vraiment une dimension, une perspective incroyable. Alors je te libère juste après que je t'ai montré le thème que je voulais te faire bosser ce soir, que je voulais t'apprendre. Puis il y a des fois, bon tu sais moi j'ai le plus beau métier du monde. J'aime bien chaque tuto que je fais, mais je dois t'avouer que certains plans, des fois, ils t'inspirent plus que d'autres, ils te font plus plaisir que d'autres. Et je me prends des fois à me surprendre, à me dire, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va regarder ce tuto et qui va en faire une chanson, qui va en faire quelque chose de son cru, et qu'après, plus tard, quand je serai vieux, j'entendrai ça et je fais « Ah, attends, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai fait en tuto. » Et puis la personne m'écrirait et me dirait « Oui, c'est parce que j'ai vu ça quand tu faisais en tuto, j'étais tout ado. » Et puis c'est un thème qui m'est resté et j'espère que celui-là, parce qu'à chaque fois que tu fais un thème, de toute façon, il ne t'appartient plus. Dès que tu publies une chanson, dès que tu publies un tuto, dès que tu publies une idée que t'as, elle t'appartient plus. Tu la laisses partir, elle prend sa liberté. Et puis des fois, au détour d'un piano-bar, enfin tu vois ce que je veux dire. J'espère vraiment que tu vas en faire quelque chose de ça. Voici mon conseil beauté du soir. Je vais récupérer exactement ce qu'on vient de voir. Toutes les positions. Sauf que je vais rajouter de temps en temps des éléments de langage. Des éléments de langage qui seront faits à partir de notes. Et sans mettre tout de suite de rythme, voici exactement la mélodie que j'avais en tête. Pour l'instant, pas de mystère. Sur notre première position. Là, j'ajoute. Ah, dommage. 0, 3, 0 sur la dernière. 3 sur l'avant-dernière, sur la troisième donc. 0 sur la dernière rapide donc. Je sais pas si ce tuto va être très compréhensible aussi à vous plaire, mais en tout cas, moi j'ai adoré le faire. Pardon, sauf là. Si tu vas comprendre tout seul. Ça fait 20 minutes que je t'échauffe. Et la résolution t'appartiendra, mon ami. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il t'aura été bien bénéfique. En tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé quelque chose d'aussi inspirant. Peut-être, probablement aussi, est-ce dû au fait que je surpassais en logi. C'est un conseil que je donne à tout le monde. Si jamais vous vous embêtez un tout petit peu avec votre instrument et que vous êtes uniquement en IG, faites l'expérience logi. Vous ne le regretterez pas. Rejoignez-nous sur le Patreon si vous voulez me faire plaisir et continuer à faire avancer la chaîne. Abonnez-vous et moi, je vous dis à très vite.